La France va bientôt élire son président. Imaginons que le vote soit très serré, 51-49, qu'il y ait des contestations, des incidents. Que dirait-on si un pays, je ne sais pas, le Congo ou la Côte d'Ivoire, intervenait en disant c'est celui-là qui a gagné, emprisonner et faisait juger celui qui n'est pas d'accord, bombarder l'Élysée, on dirait c'est intolérable. Eh bien, ça s'est passé, sauf que, évidemment, c'est la France de Sarkozy qui a fait ça en Côte d'Ivoire. Et donc, je crois que ça nous pose beaucoup de questions sur la souveraineté des nations, sur le respect de la démocratie des autres États. Et c'est pourquoi, le 22 avril prochain à Paris, je vais interroger 16 témoins pour essayer d'éclairer des questions fondamentales. Est-ce que Paris pouvait intervenir dans les élections? Pourquoi la France avait armé les rebelles? Pourquoi on a bombardé le palais présidentiel? Comment ça se fait qu'un tribunal européen emprisonne et juge un président africain? Pourquoi on n'en parle plus maintenant? Est-ce qu'il y avait des intérêts économiques français derrière tout ça? Voilà des questions fondamentales qu'on va éclairer à Paris le 22 avril prochain.